La balade familiale a viré au cauchemar lundi à la Clusaz, Haute-Savoie. Un garçon de 13 ans a perdu la vie après avoir chuté d'une barre rocheuse au cours d'une randonnée à laquelle il participait avec ses proches et une autre famille de vacanciers. Dans la descente de cet itinéraire simple, l'adolescent a rejoint le groupe de tête. Mais, en arrivant sur le parking où les randonneurs s'étaient donné rendez-vous, ses parents se sont inquiétés de ne pas le voir revenir et ont alerté les secours. Retrouvés en arrêt cardio-respiratoire, des maîtres-chiens ont été mobilisés pour retrouver le jeune randonneur, découvert en arrêt cardio-respiratoire, en bas d'une petite barre rocheuse, non loin du parking, relate ce mardi France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Hélène-APAS pu être réanimé. Une enquête a été ouverte pour comprendre dans quelles circonstances l'adolescent a chuté.